On va aujourd'hui tester Cyberpunk. Alors, j'ai entendu beaucoup de rumeurs, beaucoup de bugs. Donc, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Je viens de finir de mettre mes pilotes à jour. Donc, je n'ai même pas lancé le jeu. Je ne sais pas comment ça va se passer. Donc, eh ben, ne perdons pas de temps. Et allons-y. J'espère qu'il n'y aura pas de bugs. Alors, je choisis le niveau de difficulté. Je vais passer en plein écran. Comme ça. Voilà, alors je vais mettre normal. Et on croise fort les doigts pour que. C'est le parcours de vie. Certains événements de dialogue et du jeu varieront en fonction de votre choix. Nomade, gosse des rues, corpo. Alors, Skadar court, gosse des rues. Pour comprendre la rue, on dit qu'il faut avoir vécu. Vous avez grandi au milieu des gangs, des fixeurs, des poupées, des petits. Ouais, allez, on va prendre ça. On va prendre ça. Allez, gosse des rues. Sectionnez le type de corps. On va prendre les gars. Comment ça va, Alex? Comment vas-tu? Je suis un petit peu en retard aujourd'hui. J'espère que je ne bégaye pas trop de mon côté. On va laisser comme ça, les gars, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, 7 points disponibles. Constitution, intelligence, réflexe, capacité technique, sang-froid. Donc, je vais mettre un petit peu dans tout. Je vais mettre un de réflexe, capacité technique. Et technique, je vais mettre un là-dedans. Sang-froid, on va mettre un. Intelligence. Ouais, on va dispatcher comme ça. Et puis, on va mettre un reste de réflexe. Suivant. Alors, en plus, j'ai entendu dans la presse que. Enfin, j'ai lu dans la presse que. Les versions PS4 Fat et Xbox première génération souffrent beaucoup. Et que le jeu est un petit peu dégueulasse dessus. Bon, ça rame un peu, non, sur le stream, ça rame un peu. Hein. Ouais, ça va un peu. Un petit anesthésiant. Attends. On va voir. Je regarde juste un truc parce que ça m'est déjà arrivé ça. Si on peut limiter les FPS à 30 images par seconde. Ah voilà, 30. On va mettre à 30. Et reprendre. Et là, normalement, ça rame un peu moins, j'espère. Alors, arranger le nez cassé, sélectionner les dialogues. Vous pouvez parcourir les choix des dialogues avec. Donne un coup sec et ce sera bon. Façon de jouer. Arranger le nez cassé, boire le shot. C'est mieux. Hein. J'ai souvent ce problème-là, moi, du coup. À chaque fois que ça rame un peu sur le live, c'est que c'est les limites d'FPS qu'il faut mettre à 30. Mettre boire le shot. Donne un coup sec et ce sera bon. Façon de jouer. Tu les tasses. Ça va bien, hermano? Hermano? Un connard a essayé de me braquer. Je m'en suis occupé. Qui ça? Un gars du coin? Tu crois vraiment qu'un gars d'ici s'en serait pris à moi, Pépé? Montez un peu le son quand même, j'entends tout. Écoute, j'ai un souci. C'est sérieux cette fois. T'as des emmerdes. Alors je vous maintiens sur le son, les gars, faut le voir. Des emmerdes. T'es mis dans la merde, c'est ça. T'as besoin d'aide. J'avais que je pouvais compter sur toi. C'est Kirk. Je lui dois du fric. Il a dit qu'il allait me péter les jambes si je payais pas demain. Le son est ok là, Alex? C'est pas le genre à déconner. Il a les cartels derrière lui. T'as fait affaire avec Kirk? Même les rats de Haywood s'approchent pas de ce putain de rapace. Mon frère venait de sortir merci. De tôle. Je voulais l'accueillir en héros. J'ai merdé, V, je sais. Alors, se lever, aller parler à qui? À qui? Est-ce que... Je vais parler à Kirk. Toi, tu me devras un service. C'est vrai que tout le jeu, on le fait en FPS. C'est le premier Final City. Suivez attentivement le dictat du jeu. Je vous rends dans la base de données à tout moment, ok? Ah ouais! Tu me sauves la vie, V. Ah ouais! Vraiment.
Mais je lui dirai que vous regrettez. Ah. Vous avez qu'au deuxième étage. Voilà, bon, vous savez, je vais observer un petit peu. C'est voulu le grain qu'il y a sur l'image là ou... J'ai l'impression que j'ai pas mis les trucs à fond. Oh, on peut parler à tout le monde. Je crois pas qu'on a été présenté. Bon, moi je tiens pas un mode VR, ça doit être bien, ça aurait été chouette de sans VR. Madame, je te parle. On n'a pas tout le temps de papoter. On peut vraiment parler à tout le monde. Elle parle pas, elle me regarde. Je regarde au deuxième étage, hein, mais je visite un petit peu les gars. Non, pas ça non plus. J'en sais rien, les Colombiens peut-être. Ok, ok, ça marche. A plus. J'ai tellement kiffé le son VR. C'est dommage qu'ils n'ont pas prévu de mettre une version VR. On va un peu la table de billard. Alors, on fait une partie, monsieur. Je vais réparer ça. Il me manquait deux bouteilles de cette zone la dernière fois. Par contre, vous arrivez à lire les sous-titres, tout ça peut utiliser les sous-titres. Hey, on te connaît? Allez, on va voir que est en haut. J'étais à l'hôpital aujourd'hui. Ravi à quelques côtes cassées. En fait, on se venait vraiment d'un GTA, mais... La balle n'a touché aucun organe. Wow, qu'est-ce qui s'est passé? La police est partie à la chasse. Ils couraient après des dealers. Ben, il a eu ce qu'il méritait, alors. Il avait rien fait de mal. Il passait juste là, ok? Ces cinglés du NCPD ont tiré dans le tas. Il a jamais vendu de drogue. Jamais. Son seul crime, c'est d'avoir la peau foncée. Voilà, tout le monde, en fait. Et quoi? Normalement, ça, ça je trouve, c'est un bon point. Parce que ça me manquait, les RPG, où on pouvait vraiment parler à tout le monde. Oui, quoi? Ça c'est un bon point, les gens. Je pense qu'après cela, je vais après réajuster mes paramètres. Histoire d'avoir une meilleure expérience. Quoi de neuf dans le monde? Parce que je pense que mon PC peut afficher le jeu encore mieux, mais comme je stream en même temps là, je reste prudent. Ah, il y a des papiers. Ah, c'est du cut. Ah bah, on va aller voir un petit peu là-bas. T'as un problème? Je voulais parler à vous, madame. Eres un pinche aspirante del montón, pura mierda. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir droit à plein de cosplay, des cosplayers qui vont... Lève la tête, le tout puissant te regarde. Qui vont se baser sur Cyberpunk. Tout le monde est stylé. Ça pourrait être pire. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, reposez avec le cœur. Salut Kirk, il faut qu'on se parle. Ah ok, là c'est bon. Oui, ça fait une paye. Vas-y, crash, de quoi t'as besoin? S'asseoir, je viens pour ton histoire avec Pépé. Pépé m'a demandé de venir te parler. Quoi, il a peur de me rembourser lui-même? Dis-lui que je vais pas le mordre. Bon, donc on fait un truc. Je vais augmenter les voix parce que je trouve que les voix sont un peu basses. Je sais pas, c'est déjà à fond. Le volume général, on est direct 100%. On va baisser un petit peu la musique. Là. Où les voix sont. Excusez-moi pas les coupures à chaque fois, hein, mais. Quoi, il a peur de me rembourser lui-même. Dis-lui que je veux pas le mordre pour l'instant. Attends, on peut parler avec Bidjo. On va lui dire t'as un problème. C'est quoi ton problème?
Mange ton burger. Qu'est-ce que tu me causes? Il te doit combien? Désolé, secret professionnel. Alors je vais juste te dire, beaucoup. Un vautour avec des principes. C'est trop beau pour être vrai. Alors joyeux putain de Noël, mon poussin. Je te fous la paix. Fous-lui la paix, d'accord? Il va te payer. Il a juste besoin d'un peu de temps. J'ai la gueule d'un mec qui fait la charité. Quand t'empruntes des édits, tu les rembourses, avec les intérêts. C'est comme ça que ça marche. Tu veux que je lâche la grappe à un crétin de moudup qui a pas foutu de payer ses dettes? Non, je veux que tu le lâches parce que je te le demande. Tu me connais, je suis un homme d'affaires. Ce que j'ai besoin de savoir, c'est qu'est-ce que j'ai à y gagner? Allez, je vais m'acheter du vin sec. Les affaires, ça va dans les deux sens, je comprends. Je te devrais un service. Tu manges même. C'est tentant. Et j'ai déjà une idée, Premios. Ah ouais, le magazine en mode... On l'a fait. Je veux dire, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Jette un œil. Mm-hmm. La caisse Premios sur cette page. Il n'y en a que 4 comme ça, Night City. La première appartient au directeur régional de Refill. La deuxième au maire Ryan. La troisième à un loueur. Et la quatrième? Elle sera bientôt à mon client. Enfin, dès que tu l'auras fauché pour moi, je veux dire. Si je fais ça, t'effaceras la dette de Pépé? Bien sûr. Je tiens toujours parole, tu me connais. Y a pas plus simple. Tu piques la refill pour moi, et j'efface l'ardoise de Pépé. Je te filerai même un petit bonus parce que je suis un mec sympa. Mon pote Rick bosse dans un parking près de l'Embers, le club où le conducteur de notre refill aime se relaxer. Il y est tous les vendredis soirs à la même heure. Dès que t'arriveras, les caméras de surveillance s'éteindront, et la grille s'ouvrira. T'auras plus qu'à monter dans la caisse et à te barrer. C'est tout con. Pour toi, c'est insulté de la voiture. Et comment je suis censé faire? Je m'allonge sur un skateboard, je glisse sous la bagnole, je branche deux fils et boum, c'est réglé. Kirk, les caisses de ce genre ont des systèmes de sécurité de malade. Le truc fonctionne comme les clés que les techos de Refield utilisent. Il ouvre les verrous et il contourne les systèmes d'identification. Un passe-partout pour toutes les Refields de la ville? Arrête, Kirk. Même toi, t'y crois pas. Les magiciens Tekos de Kabuki vendent des trucs encore plus dingues sous le manteau. Fais-moi confiance. Alors? C'est bon pour toi? Ouais, c'est bon. Je lui foutais un peu la pression. T'as intérêt à tenir parole, Kirk. Du calme, V. Tu vas t'en mettre plein les poches aussi, tu sais. Va à l'Embers, dans le Glen. Rick t'attendra. Et lui, il n'arrête pas de me fixer. Je suis sûr que vous allez. Alex, t'as acheté aussi Cyberpunk ou... Bonne chance, alors. On se tient au jus. Tu découvres le jeu ici, là. T'as lieu pour qu'il me fixe comme ça, lui. Quittez le bord. Du coup, pour l'instant en tout cas, bon après c'est vrai qu'il y a plein de jeux qui sont comme ça, ça débute toujours fort. Mais tu vois quand je vois ça là, j'imagine le prochain GTA. Franchement ça fait très... ça fait GTA plus. Et puis ce que je trouve qui est cool aussi, c'est qu'en général dans les jeux t'as des PNJ qui sont des copier-collés. Bon il y en a si sûrement là-dedans, mais là t'as vraiment l'impression que tout le monde c'est des gens différents. Bah après c'est là que fait Witcher 3 hein, aussi. Mon cul ouais. Ce type est le meilleur de sa catégorie. Ouais, pas de temps, on a pris le temps de jeu. On va découvrir. Au pire moi après je remercie ma partie, mais là c'est pour découvrir. Ouais, le japonais. Lui un boxeur. Arrête. Hé hey, il a le meilleur jeu de genre. On se connaît? On peut pas battre un gras. Quoi tu penses? On peut pas le toucher. Allez, on va sortir un peu la ville, est-ce que ça ressemble? Se rendre à l'Ambers. Je peux me le permettre. Foiré gros lard. Si tu sais.
Hé, hey, je vois aucun citron ou citron vert. C'est quoi ces conneries? Ils sont là. Les sous-titres sont illisibles par contre. Je sais pas quoi vous, moi j'ai du mal. Alors ça c'est... Là, là on va être dans l'espèce de tuto évidemment. Le début du jeu donc... Ça se gêne. C'est l'heure de se tenir prêt. D'accord, Padre. Tiens, tiens, regardez qui voilà. V, ça fait un bail. Je savais pas que t'étais dans le coin. Je suis dans le coin, moi. Je suis rentré il y a quelques semaines. Je suis rentré d'Atlanta il y a quelques semaines. Je vois que t'as eu droit à un accueil maison. C'était comment dans l'Est? C'était bien. Je te raconterai plus tard. J'ai un truc à faire, là. Si tu me racontais maintenant, on va te déposer. Ah ouais, vous allez me déposer? Marcus, on y va. Montez dans la voiture de Padre. Je monte devant ou... Oh, il m'ouvre la porte en plus. Ah, le mec, il a un truc sur la tête. Où est-ce qu'on va? Dans le Glen. Dépose-moi à l'Embers. Devant? Prends la bretelle derrière le bar. Je te dirai où t'arrêter. T'as entendu, Marcus? C'est stylé pour l'instant. Franchement, c'est stylé. Le retour à Night City s'est bien passé. T'as déjà du boulot? Je me débrouille, hein. Des plans par-ci, par-là. Rien de très gros. Mais je m'en sors. C'est gentil de t'inquiéter. Alors, ça a pas marché comme tu voulais à Atlanta, hein? Ouais, franchement, hein. Et puis ce que je trouve qui est super, c'est que depuis le fait qu'on a la vue que en FPS, ben là on dirait que ça mélange cinématique et gameplay et tu peux bouger la tête à n'importe quel moment. Ça, je trouve ça cool. On dirait une cinématique en continu en fait. Je sais pas vraiment ce que je voulais. Je vais rester vague. Je suis de retour, comme tu vois. Si ça avait été mieux là-bas, je serais resté. Tu sais, c'est peut-être mieux comme ça. Je disais que j'allais peut-être mettre les voix en anglais et sous-titres français, mais j'ai bien fait mettre en français parce que. Il y a des gars qui font la merde à côté, quoi. Arrête la voiture, il y a des gars qui font qu'est-ce la merde. Qu'est-ce qui se passe? Les affaires. T'es armé? Ben non. Pas armé. Tiens, il va m'ouvrir la porte. Sébastien Ibarra. C'est mon jour de chance, on dirait. Qu'est-ce que tu veux? Qu'on règle cette histoire, une fois pour toutes. Oh, c'est stylé, hein. J'ai une offre à te faire, papy. Alors, écoute bien. T'as changé ma gueule. Tu te tires de Vista, et tu retires tous tes connards de la rue. Je te file le Glen, et on n'en parle plus. Tu pourras enfin dormir tranquille. T'as vu? Je suis sympa. Il a le Sharingan. Alors, papy, t'en dis quoi, hein? C'est à qui tu parles, là? Un mot de plus, connard. Te mêle pas de ça. Je te connais pas. Moi non plus, je te connais pas. Ça veut dire que t'es personne ici, et que tu vaux que dalle. Alors, papy, je te défends pas. T'as fini? Je crois bien qu'il n'y a rien à ajouter à cette conversation. Écoute le padre. Fais gaffe, padre. Tu sais jamais qui te pointe un flingue dans le dos. Pareil pour toi, petit merde. Donc, on va le revoir, je sens. Vas-y, Marcus. Franchement, si tout le reste du jeu comme ça, je vais apprécier ce jeu. Franchement, je vais l'apprécier ce jeu. Moi qui aime les RPG, moi qui aime les jeux de rôle. Je suis content de voir que t'as pas oublié tes racines. Que t'as toujours la flamme. Il y a tellement de petits merdes dans le coin. Ils sont peut-être trouillés dès que ça voit le canon d'un flingue. T'es qu'à d'un coup, papy. C'était qui, lui? C'était qui, lui? Personne d'important. D'ici une semaine, il aura disparu et quelqu'un d'autre prendra sa place. Il t'a menacé avec son crasheur. Je veux. Et il va le payer, ça, tu peux me croire. Stylé. Arrête-toi là. C'est bon. Je vais descendre ici. Bon, là on va forcément avoir une phase de gameplay de conduite. Là, on va voir si mon PC suit déjà. Et si. On la carte, c'est ton numéro. Mon numéro? Ça pourrait te servir. On pourrait peut-être rebosser ensemble et rattraper le temps perdu. Ouais, merci, Padre. Mais Padre, tu peux y aller. C'est un gars qui nous connaît. Merci, Padre. Ah ouais, là, le corps comment... Ah ouais. Non, mais c'est pas vrai! Il n'y a pas d'interaction avec les cinématiques, c'est puissant.
Bonjour monsieur. Êtes-vous docteur Kofu? On peut pas parler à tout le monde en fait. Hein. Je croyais qu'on pouvait parler à tout le monde, mais pas. On peut parler à beaucoup de PNJ, mais pas à tout le monde. Et lui, on dirait qu'il a pris. Oh là, et... pas trop bête à cette tête lui. Hein. Je veux voir qu'on a mis pas des trucs qui est là avant de l'objectif. Ces machines, on les a vues aussi dans le bar, peut-être. Ça va? C'est des zonas à terre, les gars. Hey, quoi de neuf? Rien, je passe. Oh, merde! Quand peut-être je dois mourir? Les voleurs de quoi? Voleurs de quoi? Oui, pour l'instant, ils sont au garage. On va courir au CF. Gosse des rues, les gars. Et Tskadak répond. Hé, t'en es où? Je suis sur place. Comment téléphoner? Je vais rejoindre ton gars. Rick, c'est un bon. Tu verras. Tu fais confiance comme un frère. Téléphoner directement dans la tête. Ouais. Je peux faire quelque chose pour toi. Putain, on a des bagnoles de fou. Il y a un pied. C'est mettant, n'empêche, les gars. Kirk, j'ai un très film. Hein. À toi de jouer, petit. Bonne chance. Je pense qu'il y aura encore des mises à jour quand même. Pirater le verrou. C'est le moment de tester ta super tech magique. Ta confiance me bouleverse. Ah, c'est le tueur, puis c'est. Tu vois, on est riche. C'est ça le manuel que vous voulez? Démarre là et appelle-moi quand tu seras sur la route. Je te dirai où. Bon, allez, test du PC. On va voir si le PC suit la conduite. Eh ben, on dirait que ça va le faire. Ça fait bizarre de piloter avec les claviers par contre. Alors. Descends. Quoi? Ok, d'allons. Descends de cette caisse. Ah merde, moi c'est... Wow. Fais chier. Tu sais conduire. Maintenant descends. Hé, hey, qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous, mec? Catching Gradons. Ouh, stylé. Robocop. C'est fini pour vous. Restez où vous êtes. Oui, qu'est-ce que c'est? Pas de gestes brusques. À plat ventre, enculé. C'est un robot qui parle, là. Putain, les flics à battre à mentir. Jackie Wells, mon vieux pote de Haywood. T'as toujours pas retenu la leçon à ce soir. C'est qui parle là? Hey, officier Stins. Merci, quel est stylé. C'est inspecteur Stins. Même merde. T'as même les flics sont stylés. En parlant de merde, je reconnais ta gueule. Je connais pas la tienne, moi. Allez, crache le morceau, j'attends. T'étais parti chercher le bonheur à Atlanta. Faut croire que tu l'as pas trouvé. J'ai toujours dit que la vermine de Haywood avait le même cycle de vie. Vous naissez, vous vivez, et vous crevez ici. Faut croire que j'avais raison. T'as perdu ta langue? Bon, et maintenant, il se passe quoi? Maintenant, vous allez au trou. Bon, je voulais voler la voiture. Allez, quoi, Steve, soyez sympa. Si vous nous bouclez, on va se tourner les pouces jusqu'au procès. Et après? Au pire, on prendra quelques mois. Le trou est plein à craquer en ce moment, alors à tous les coups, on sortira en avant. Gros, c'est moi, mais je vais s'enlever, les gars. Putain. Ce sont eux, les voleurs? Merde, pas lui. Piraculeurs de bas étage? C'est qui, ça? Ouh, le chinois. On t'a appréhendé, monsieur Fujoka. On les emmène au poste. Mais c'est pas riche, la peine, c'est inutile. Je n'ai vraiment pas de temps à perdre avec un témoignage ou une enquête. Quoi? Dois-je les relâcher, monsieur? Je suggère de les balancer à la mer. Menotter et les jambes brisées pour être sûr qu'ils restent au fond. Ah, les flics bossent pour ce gars-là? Exécution. Stick. Et merde. Et merde. On veut pas se défendre, là? Oh, fuck. Coup de bâton dans la tête.
Bande d'enfoirés. Ah, il ne veut pas tuer. Pour être honnête, pendant une seconde, j'ai cru qu'on allait peut-être pas s'en tirer. Non, Stins nous buterait pas comme ça. T'en es bien sûr? Ouais, c'est un gamin de Haywood, comme toi et moi. Il déteste les costards autant que nous. Il a fait son devoir. Point barre. Si je m'étais pas pointé, tu te baladerais dans Night City en refilt, là. C'est Jésus, ça? C'est Jésus qui sont dessinés sur le mur? On dirait Jésus balmant. Ouais, c'est Jésus. Ben, je pense, hein. Alors, je m'étais pas pointé, tu te baladerais dans Night City en refilt. Ça aurait pas marché, de toute façon. Ah, arrête. Ce job était moisi depuis le début. Même la tech au black de Kabuki peut pas déjouer une alarme comme ça. J'aurais dû me douter que les flics me tomberaient dessus. Va savoir. C'est peut-être la volonté divine. Bon, tu vois pas une scène de fight ou de check-in. Jackie Wells. V. Ah, on le connaît, c'est pas le bas. Tu le connais, toi. Tu traînes au Coyote, non? C'est là-bas, je trouve le boulot, je sais pas. Ouais, c'est au Coyote qu'on m'a proposé de voler cette caisse. Kirk. Tu bosses avec ce rat d'égo? Pépé lui doit du fric, mais il est fauché, alors... Comment dans ce jeu Strike, t'es belle, elle me découvre dans l'eau, hein. Pour l'instant, mais il est charmé. Il tourne pas rond, Pépé. Mais là, mais t'as fait mon PC. Non, pour l'instant, elle est belle. Mais ma besoin de jouer encore plusieurs. Les cartels? En fait, on dirait où d'un film. Je connais les types des cartels et je peux t'assurer qu'ils ont jamais entendu parler de Kirk. El cabron. On va voir, on va le jouer. On baisse pas les gens de Haywood. Allez, viens. On va grailler un truc. On va grailler, on va manger. On est potes maintenant. Quoi? Comme ça? J'avais ton crasher collé sur la tempe il y a pas si longtemps. Si t'aides mes potes, ça veut dire que t'es réglo. Sans rancune? Sans rancune. Bon allez, on va rien. J'ai un bon pressentiment. Sur quoi? Sur nous. Je sens un genre d'alchimie, pas toi? C'est sûr que c'est de l'amitié, ça? Allez, viens. Je crève la dalle. Ok, pour la bouffe. Je suis. Comme c'est du Wild Strike, pour l'instant, en fait, tout ce que m'a vu, c'est que on a vraiment l'impression d'oublier d'un film pour l'instant. Graphiquement, oublier d'un film. On n'a pas eu de scène de fight encore. Mais... C'est Stanley qui vous parle et c'est une nouvelle journée qui nous attend dans la cité des rêves. Ah ouais. J'adore notre bonne vieille ville. Je l'aime comme on peut aimer une mère qui vous a chié 20 ans plus tôt devant un orphelinat et qui vous arrête dans la rue pour vous demander une clope. Chaque jour, une centaine de personnes débarquent ici, mais moins de la moitié de ces pommards survivra une année, et encore si l'année est bonne. Pourquoi ils viennent tous à Night City alors? Eh ben, pour devenir un samouraï des rues comme Morgan gosse des rues, ou Wayland Bordeaux. Plus on prend de risques, plus on peut gagner gros. Hein, c'est ce qu'on dit en tout cas. Mais on ne peut pas rester autant, très longtemps, la vie se consume vite quand on la brûle par les deux bouts. Wouh! Ou alors quand on se prend une balle. Mais pour l'instant, moi, peut-être c'est une phase de gameplay vraiment pour voir si mon. Si le jeu suit bien parce que. Ah, ou là, prends quoi, ou quoi, des rumeurs? La plupart des légendes de cette ville, vous savez où elles sont aujourd'hui? Au cimetière! C'est quoi, le gars là sera notre mentor en fait? Peu importe d'où vous venez, peu importe par où vous commencez! Quand on pose les boueux, ce qui compte, c'est le chemin que vous allez suivre! À Night City! Le gars n'a la veine! Le gars n'a la veine, chérie! Bon allez, est-ce qu'on va avoir une phase de gameplay là au moins, comme ça que je vois si ça suit. Ben Shoes, est-ce qu'on peut faire un retour en mode costaud? Ben ça merde, c'est bonne boule. Est-ce qu'on peut faire un retour? Parce que moi, m'étais pas occupé du coup, m'étais pas... La fille qu'on cherche est quelque part dans ce bâtiment. Je vous laisse. Ça doit être le repère des Penderos qui l'ont kidnappé. Ouvre grand les yeux et les oreilles, ok? Ça me fait penser. J'ai un petit cadeau pour toi. Un éclat d'entraînement de Militech. Si jamais tu veux te remettre à niveau. Ça te dit un petit exercice de tir en VR? En réalité virtuelle? Bon, alors, le temps que me répond Ali. Chose, est-ce que vous pouvez faire moi un petit topo rapide dans le chat? Juste pour dire moi de ce que on pense de la version cool à jouer sur PS4 Fat.
Parce que ma République à ce temps-là, c'était un gars de GameCult, il dit comme ça que la version de la première Xbox et de la PS4, les un petit peu sacrifié par rapport au jeu que au jeu au vrai jeu quoi. Est-ce que vous pouvez juste vite fait donner une description de ce que Oul a eu comme Alors? impression sur ton version console s'il te plaît? Alors carrément ouais, FN c'était un fan du Ok, tacticiel. pourquoi pas? Tant chose écrit et tout dans le chat. Non, écrit dans le chat, écrit dans le chat. Je vais lire. À Nous l'envers. allons commencer par un entraînement aux bases du combat. La séance sera enregistrée à des fins d'évaluation. C'est Jean. Ouais, ça met le canon dans la tête là. Ce parcours vise à renforcer vos fondamentaux en matière de combat et à aiguiser vos réflexes. Il Les fait. compétences que vous apprendrez ici vous permettront de survivre et même de briller sur le terrain. Je vous apprendrai à utiliser des armes, des techniques d'infiltration et des moyens de pirater les réseaux de l'ennemi. En d'autres termes, vous allez apprendre tout ce qu'un parfait petit esclave doit savoir pour servir ses maîtres Et même le Balkon. tuto, les Ils sont nuls stylés, en codage chez Militech. Par contre, la formation de Troufion, c'est leur truc. Bref. Poste 1, la bleusaille. Et hop, pas de course. Allez! J'espère que t'es prêt à te bouger les fesses sur ce parcours fasciste. La minorité virtuelle On alors. va La se faire une petite séance de tir minorité tactique. virtuelle alors. Okay. Histoire de s'échauffer. Bon, on va pouvoir tester le gameplay justement. Là. Ramasser l'arme. Ok. Toucher toutes les cibles. Tirer, viser. Bon, on va pas changer ça alors. Je me doutais que ce serait pas trop dur pour toi. Qu'est-ce que tu dirais si on pimentait un peu les choses? Mais je faisais pas trop Pas ton mal. tuto. Mais pour que ça fasse vrai, il faudrait que la cible riposte. Reste pas planté là, mets-toi à couvert. Appuyez sur C pour vous accroupir et vous cacher derrière un abri. Il y a plus de vrai. T'es touché. Bah Utilise un réanimateur pour te rafistoler. Réanimateur, c'est ça? C'est quoi? C'est un Ventoline? Appuyez sur X pour utiliser. Ça approche avec manette là. Alors effectivement, on en a des bugs pour l'instant. Deux plantages. Rends-toi dans la zone d'entraînement quand tu seras prêt. Mais ça, c'est même après le patch des One et comment? Il est bizarre. Hein J'ai venu avec des tchoums cette fois-ci. Tu sais quoi faire, mais... Il n'y a plus de mal à clavier, les gars. Il n'y a pas contre le bonheur? Il a du mal avec la vie, les gars, mais tellement petit manette. Pour passer à la suite. Ça fout moi quand même un petit peu. Comme bien gars, suite le jeu tient sa sortie avant l'arrivée.
la next gen, donc bizarre. Mais en plus, Banalave, c'est comme ça que t'es bizarre parce que Banalave pas laisse les journalistes tester la version PS4, Xbox. La laisse Banalave tester que la version PC. Donc déjà, de mon avis, tout ça bizarre. L'entraînement, le bleu. Pour la suite, je te propose du piratage. Tu verras que j'ai légèrement modifié le matériel pour le cours. Parce que je me trouve que la presse l'a dit quand même un truc dur, mais je crois que Gamekult, il avait carrément mis un truc de son article en disant il vous reste quelques temps pour annuler vos précommandes si vous l'avez acheté sur PS4, Xbox. Mais avec tout, les mots quand même étaient un peu durs. Mais après, justement, à voir s'il est confirmé ou pas, parce que. Ben, à part la chose, en fait, je ne connais pas de monde là pour le jeu sur PS4, FAT ou Xbox. Mettre une étape pour activer votre scanner. Ok. Scanner des objets en se brouillant. Attends, comment il scanne? Maintenez table. Scanner des objets de ce type. Ok, c'est F alors. Les dangers sont en surbrillance rouge. Les appareils piratables sont en vert. Les autres objets ici sont en bleu. Ok, relâchez table pour faire mes scans. Bon. Ce module d'entraînement t'apprendra à employer des outils technologiques en situation de combat. Fais déconner l'écran en le piratant pour distraire le garde. Utilisez l'écran de télé pour distraire les ennemis. Vous devez installer une civière console. Votre scanner comprend cette défilée de piratage. Distraire les ennemis. Rappel là ? Oh, piratage en cours. Et long piratage, hein ? Tous les journalistes et youtubeurs à la version PC. Donc il veut dire que forcément, ben là, malgré le patch Day One, ben là, ça forcément fait notre mise à jour, l'obligé. Tiens, il dit qu'avec toute la com que Banal a fait sur Cyberpunk, à moins, il était quasiment sûr qu'il n'aurait pas eu de flop. Que Banal aurait été prêt le jour de la sortie, qu'il n'aurait pas eu de problème, comment. Et malgré ça, ben... Tiens, il est long le piratage, quand même. T'es connu, donc. Forme avant le fond. Bien. Maintenant, neutralise-le discrètement. Qu'est-ce que les bois à l'eau, là? Bien. Il est à toi. Neutralise-le. Tuer, neutraliser sans tuer. Neutralise à humain. Mais pacifique. Je paye. Attention. Il vaut mieux éviter de laisser des traces de ton passage. Ah, fourra le corps. Et surtout, des cadavres. Ramasse le okay. Corps et va le planquer quelque part. Pareil Hitman alors. Vous pouvez cacher les amis morts ou inanimés dans des endroits. Ok. Ok, ça foutait là-dedans. Il s'est dans la poubelle. Ok. Maintenant, essaie de l'éliminer d'un coup bien placé. Trappé. Casse-couille. Tiens, mais les phases d'infiltration, ils pourront bien du coup. Là. Bon, là, non, neutralisé. Hein. Tu te sens prêt à pirater des pommards en temps réel? Tiens, je te dis longtemps, les gars, désolé. Prends le contrôle de la caméra. Contrôle de la caméra, Patrick. Le piratage rapide, plus avancé, permet d'utiliser l'environnement ou les ennemis à votre avantage. Vous piratez rapidement les appareils, plutôt une caméra et tout. Ah ouais? Protocole de piratage. Ouh! Pour charger le démon pique à glace, vous devrez recréer sa séquence de code dans ce. Oula! Ok, donc 55. 55.
45. BD. Vas-y, fais péter la grenade. Regarde, j'ai l'impression que tu te mets en rougis, je pense qu'elle lui fait, ouais. Il fait très métal, tu vois. Bon, les filous. Coquetter la vue caméra, PCC. Suffisait que tu débranches ton cerveau et que t'obéisses aux ordres, façon militaire. Bon, je vais retourner au jeu, s'il vous plaît. Sous mes ordres avisés, t'es un vrai champion. Mais quoi, il faut faire le tuto, mais... Prends ta place sur le podium. Pas mal du tout. L'algorithme de Militech t'a plutôt réussi. J'ai d'autres modules au cas où tu voudrais peaufiner d'autres compétences. Ouais, on va y aller. Sinon, tu peux y aller. On va y aller, madame. Mais fais attention. Dans la rue, t'auras pas d'avertissement ni de deuxième essai. D'accord, madame. C'est noté. On peut partir. Okay. T'attends une invitation? Utilise un peu pour quitter la simulation. Ah, on tâche le jeu et là. Non, il te voit pas de. Enfin, en fait, m'a l'a fait assez vite, parce que m'a commencé mon live super retard. Tu vois même mon carte graphique à jour, tout ça, donc il a pris du temps. Donc m'a fait le perso très rapidement. Et alors, il m'a pas vu de ce gag à personnaliser. Ah, bah, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Allez, gros mal. Sortir au boulot. Attends, là-haut. Est-ce que Wakako t'a donné des infos utiles sur le job? Je suis pas ta mère. Fais ça pour que je te paye. C'est pas compliqué. C'est parti. La petite mon kiki démarre. Tu pas conduit, tu vois pas les affaires. Tu viens qui? L'ascenseur. Par ici. N'a pas un coup de poing? N'a pas un bouton coup de poing, ok. Ah voilà. Ok. Ok, d'accord, c'est noté. Appuyer deux fois, esquiver. C'est quoi? Ah, c'est esquiver ça? C'est quand même tu veux bloquer. Attaque puissante. Faut pas chef, mais il revient la période technique. Combien il fait pour un jambe? Il est pas? On va essayer de s'en sortir. On doit s'en sortir avec Jackie. C'est là où ça va, apparemment. T-Bug. Après T-Ban, T-Bug. Il s'appelle Sandra Dorset. Son biomoniteur a cessé d'émettre il y a quelques heures. Sûrement en enlèvement. Ok, madame. Impossible de savoir si la cible est en vie. Vous arrivez peut-être trop tard. Ok, madame. Hey, on va arriver à temps, Bug. T'es peut-être que dans nos écouteurs, mais tu fais partie de l'escouade. L'escouade? Charmant. Jackie a raison. Bug. Tu pourrais au moins essayer d'être sympa. Comment est-ce que ça me... Sympa, réconfortante. Y'a pas marqué ligne de l'amitié, là. Il est pas bien sympa. Il est un peu con, le gars marche, il marche avec son main. Trouver le 1237. 1237. La cible devrait être à l'intérieur, mais j'ai pas de visée sur son biomoniteur. Ah là, ça gagne l'euro million, là, là, tous les jeux à gratter. Ah, je déteste quand ça se joue sur le fil. C'est toi. Maniez-vous. Je madame. On rentre mon case. Allez, pas chaud. Je vais pas terre, là. Je vais pas enchanter, là. Essaie de pirater la porte. Est-ce que je peux compter sur toi, V? Ben oui, frère. Enfin, forme. Piratage. Piratage qu'on a pris. Fais pas de bruit. Ouais, mais essaye. La zone, le style. Suivre Jackie. Elle va tenter alors. On me vole. Et les gars, laisse-moi habituer. Ouh, c'était mine. C'est elle. Mais c'est notre cible. T'es une qui est pas frais, attends. Me fais voler un peu. Non, mais elle gosse des rues, donc tu me voles un peu, quoi. Sinon, ça met pas à gosse des rues. Voilà. Mais gars, le bas déco, elle est en forme. Il vole tout de même, il y a un petit cadavre à quoi. Un petit cadavre à quoi il vole. Un petit cadavre, est-ce des rues? Mais reste concentré. Sandra Dorset dispose d'une immunité corpo d'échelon 2. C'est du gros poisson. Mais celle-là, elle est équipée de reposer ta tête de contrebande. Clairement, du boulot de seconde zone. C'est un robot, c'est un robot. C'est pas notre fille. On continue de chercher.
ramener Westeros droit devant. Dites-le en silence, mais... Faut pas cher. Qu'a le travail. Ils savent qu'on est là. Qu'a le travail, frère. Chut, fille de laminaire. Jolie. J'aurais pas fait mieux. Fille de laminaire. Okay, mais viens... Avance pas trop vite, chef, parce que... Moi, j'aime bien explorer un peu, hein. Attention. On a mis bien. Regarde, mais t'as toute sa femme, il connaît même pas quoi c'est. Bon, allez, on va à peine des héros. Les marchands qu'on a pris. Et trouver les hommes. Attends, se faire remarquer. Carbonus. Il grouille comme des cafards. Tiens, on va la voir bien. On attend, mais on se prépare au carnage. Et les vilains, discrètement, prends celui qui est le plus proche de toi. Je l'ai fait. Souhaitez. T'es dans la merde, là. Juste pour vous. Dégagez bien, moi! L'archiclique mauvais! Allez! Crevez-le! Ce bruit encore de désordre, faites le ménage, éliminez les ennemis. Évitez d'exposer la cible au tir ennemi, évitez surtout de prendre une bataille. Oh! Putain! C'est pas le bon! Putain, la mitraillette! Qui veut faire la fête avec moi? Ça paraît mon pistolet, moi là? Attends! Je recharge! Ma plalée me réduit éliminer la mission. C'est mon faute, me réduit tuer l'autre. On a encore envie. Merde, m'a fait. J'ai de garder. Check le gars. On m'achète un corps. J'ai de sa team, t'es le flingue. Ok. Trop mal. Défoncez. Il est dans une pièce qui donne sur le balcon. La fenêtre sur la gauche. Deux secondes, je vais sauter la serrure. Nano, attire son attention. Je me charge du reste. Je viens de finir de pirater la porte. Soyez prêts. Allez trop voler à ce sujet. Alors. Je bouffe du plomb au petit-déj. Regarde, le jeu est trop stylé, les gars, franchement. Midi est pas mal trop bien, mais franchement, le Bansal est stylé, quoi, au début. Mais t'attends un scène gameplay pour voir là, mais... Oh putain, mais le jeu fait pas de la tête. Faudra voir les boss, ouais. Mais pour l'instant, franchement, elle est stylée. Hein. Mais t'attends que ça. Bon, on m'a pas trop pigé, du coup, dans l'action. Il faut appuyer sur un bouton précis pour équiper à moi, ou bien dès que je ramasse les armes, il peut jouer avec. Mal à ramasse le train, moi, il a son batteuse à terre.
Voine à prendre et équiper. C'est quoi la différence? C'est quoi la différence entre prendre et équiper? Bon, bah, de tous les cas, on ramasse, non? On a fait un cas, là, il aurait pu faire ça en mode discret, mais... Aux affaires pour ramasser. Trouver son drap d'Orset. Bon, ben vous savez bien qu'à dedans. Petit pistolet. Putain de bordel de merde. Putain de bordel de merde. Bon, là, t'es peut-être le coup. Mais... Franchement, j'ai l'estomac bien accroché. C'est bonne glaçon, ça. Mais là. Là. Casse pas la pompe, frère. Je m'habituerai jamais à ça. Ou des oseries. Ces saloperies qu'ils font aux gens. Ces mecs sont complètement tarés. La mobile répond bien. Plus jamais j'accepte un boulot pareil. Ah, t'es le rôle au boulot. Respectez le corps. T'es malade tout ni tout. Ah ouais, mon bon dragon alors. Cible. Twitch. On arrive à temps. Elle est vivante. On va vite le savoir. V, connecte-toi à son vieux moniteur. Je vais il est vivant, il est vivant, il est vivant. Reste bien muté, je me connecte. Signe. Je me connecte. On n'a pas le droit du Disney et notre corps aussi. Ben, pareil, ça va tarder, il connecte de la tête. Ok, imaginez le futur annulé comme un brume. Connecte à nous. Traumatine platine. Platine ? Merde. La trauma aurait dû débarquer avant qu'elle ait le temps d'éternuer. Ils ont dû brouiller le signal du transmetteur. Ça doit être un piratage de biomoniteur, une reconfiguration de micro-logiciel ou un neurovirus. Rotibug. On va pas trop regarder le TT parce que je peux lui faire striker. Du matos de boucher ici. La tech peut pas être complexe. Ok, du boulot de bouffeur de scope donc. J'ai une idée. Regarde son neuroport. Si tu vois un éclat, retire-le. C'est ça qui doit bloquer le biomoniteur. Un éclat ? Retirer l'éclat, je trouve. Ouais, y a un éclat. Je le retire. Regarde son biomoniteur. Ça change quelque chose ? Ouais, non, si vous êtes consciente, mettez-vous en position latérale de sécurité. Une équipe d'évacuation d'urgence est en route. Elle sera sur place pour la prise en charge dans 180 secondes. Du coup, signez, mettez ça sur YouTube. La promesse sera là dans 3 minutes, d'après le votre régime premium couvrira 90% des coûts estimés du sauvetage et du traitement. Alors, puis la CMU, là, ça va. Pobrecita. Faut la sortir de la glace. J'espère que tu es au courant. La soulever. Et mais l'autre corps, on a un autre corps à côté. Oh, merde. Bon, les gars, apprécié, t'es bien. V, dis-moi ce qui se passe. Jackie, Eripo, merde, ça craint. Attrape, essaie. Allez, Ventoline. On se fait Ventoline. Je crois. Putain, ça a marché. Fuera, cabron. Emmène-la dehors. Attends, il y a le corps. Ah, il a ses terrains. De toute façon, t'es au chef. Hein. Voilà, sors-la d'ici, la terrasse. Putain, mais le gars, il veut un jeu comme un jeu, mais en VR. Est-ce que c'est possible? C'est trop bien. Mais un peu qu'en fait, il est fait un peu comme Breath of the Wild. Il amène. Il amène un nouveau concept de jeu. Et bien, il est sûr que là, peut-être, je l'ai pas. Traumatime, la traumatime. Trauma ou trauma? Déposez la patiente au sol. Impressionnant de mélange gameplay et. Allez. Et ben, coup de pétard. Oh chef. Patient NC5504. Ah, putain, franchement, les réels à mort en fait, hein. 70 mg de dopamine. 10 000 vient devant le PNJ, ouah, c'est pas mal. Après, le dernier, c'est mec qui s'en met là. Ouais, ben, bah, pas fait un coup de main, Jackie. Ben, demain, avance pas. Mais testez un peu, mais il y a un gosse de rue, ouah. Bon, on va arrêter. Zaki. Viens, on se casse d'ici. L'ascenseur va direct au garage. Beau boulot, on a réglé ce merdier. C'est un The Witcher, mais bien sûr. Allez, moi je me déconnecte. On se reparle bientôt. Dis, Manon, j'ai un truc à faire.
Ça t'embêterait de me prêter ta caisse? Cosa que moi là? J'ai un rencard avec Misty, mais je peux pas prendre le métro. J'aurais l'air de quoi? Je vais pas te laisser en plan, Jack. Mais juste pour cette fois. Tu me sauves la vie, V. Merci. Vas-y, prends le volant. Il est pas coupé? Ah, il est pas là. Et ça, tu es là. Il est pas mort, donc. Le bon graphique, il est bien fait, le bon détail, hein. Il fait plein la main, les gars, franchement. L'univers, il fait pas la main. Et le nouveau, le Banai Yaman est plus là dans le jeu vidéo. Hein. Cette espèce de mode film comme ça, à la première personne là. Mais ça fait copier à lui. T'as pas de rein chinois, ça copie Cyberpunk, Mishu, les gars. J'ai failli oublier. Faut appeler Wakako. Lui dire que le boulot est fait. Il voit ton chat, man, mais il voit le chat Kaf Gamer, mais les dieux du regard le chat tout le temps et constamment sur le jeu. Donc, il voit ce que c'est écrit, les gars, inquiète pas. Il lit, hein, mais il peut pas faire les deux en même temps, sinon ça me paie une concentration. Donc, t'inquiète pas, Kaf Gamer, je vois. Appuyez sur T. C'est comme Division 2 avec un gros sac à PV. V, comment ça s'est passé? Notre cliente est saine et sauve? Ou Mami Wakako. On peut dire ça. On peut dire ça. La traumatime l'a récupérée. Traumatime. Elle va se remettre. Impec. Ton paiement t'attend. Tu peux venir le chercher quand tu veux. Même tout de suite. Hein. Mais j'imagine que t'as juste envie de rentrer chez toi, Anna. Le NCPD a encerclé Watson. Le quartier est bouclé. Si tu veux passer le cordon de sécurité, va falloir faire vite. Merci pour l'info. Je passerai te voir plus tard. Du coup, demande à moi aussi si la version PS4 Pro et la version Xbox One X, est-ce que ouais, c'est la NCPD même que tous les accès à celle des PS4 Fat ou alors est-ce si que je vais pouvoir dormir chez moi ce soir? Laisse-moi faire. Piatique, t'as bien. Faut se fouiller là, mais connais même qu'un abandon ramassé. Dès qu'il commence à mettre le dragon là, il dit où peut avoir dedans, là, toujours un petit objet caché. Bon allez, on va piloter. Ah non, passager. Ce n'est pas moi qui m'a conduit. Ce n'est pas moi. Mais oh, franchement, m'y pense que c'est le premier jeu. Mais ça, je vais aller deux fois, m'y pense. Parce que si vraiment les choix qu'on prend au début... Il n'y a même pas, selon les choix que vous faites, le jeu est super différent. On pense que je l'ai, mais pense comme ça fait deux fois. Peut-être pas trois, mais deux fois. Mais hésite, tiens, quoi, tu vas acheter ou pas. Je comprends du tout ce qu'on va dans le jeu. En tout cas, mais le plus hype, c'est pas Cyberpunk que Watch Dog. Mais ça pour Watch Dog, mais pas pour un final. Non, plus grand. Non, Manon. Elle a rien d'ordinaire. Morgan Blackhand, Andrew Whelan, Adam Smasher. C'est ici que naissent les légendes. Ah là, mon là, les gens. Si j'ai le top, ce serait que j'étais à 6. Ils vont prendre presque le même système que si j'avais fait. J'y pense pas, mais ce serait trop belle. Jackie, il est si fort. Les Watson, tu te souviens? Ah merde. C'est vrai. Je suis parano. Oh, merde. Je le savais, il y a une camionnette qui suit. Jouer. Pardon. Mais j'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. Oh. Dégainer l'arme. Alt. Dégainer l'arme et se rasseoir deux fois alt. Comme passager, dégainer votre arme permet de vous pencher par la fenêtre. Ok. Ah, on a point de viseur. Putain, Jackie, roule. Allez, vite. Tire! J'essaye, arrête de zigzaguer! Accroche-toi, V! Putain. Mierda, perdon! Chinga la madre! Ah, bah, voir mon truc alors! Je vous ai eu, les connards! V, fils de conducteur!
Et ta balle là au crève, parfait. Des osseurs. Des osseurs, c'est quoi? C'est des cagnards qui attaquent à nous. On verra ça plus tard. Faut déjà qu'on arrive à rentrer. Rentrer avec Jackie. Ah, mais pense-y d'avoir un genre hub dans le jeu. Putain, on peut dire qu'ils ont mis le paquet. Ah ouais, elle est en mode Robocop alors. Et ouais, des... Madame. Watson est confiné jusqu'à nouvel ordre. Confiné, les gars. Comme un virus. On a un sacré bol d'être tombé sur vous. Ah bon? Et pourquoi sur moi spécialement? Vous avez un cœur en or. Et seule une personne avec un cœur en or peut regarde comprendre que je dois à tout prix rejoindre ma dulcinée. Votre dulcinée. Ben, elle a pas débarré de ouais. Elle va se faire un sang d'encre si je rentre pas. Mais confiné. Tout ce que je veux, c'est faire les choses bien. Elle me laisse une chance. Ah, nous, 20 décembre, ça gagne nouveau radar, nous, là. Regardez-le. Banal, banal, ça. Citoyen modèle, c'est vrai. C'est un bon petit gars. Laissez-les passer. C'est les alors, à charme, le petit mademoiselle. Allez-y. Allez, madame. C'est gentil. Bonne soirée, madame l'agent. Tu parles rien de bien dans le jeu. Que là, c'est pas le type de code. Donc, tu pètes. C'est-à-dire, mais tu as fait l'effet. L'effet, on dirait. T'as ramaillé comme alors. Dont j'ai fait preuve qu'il a pris les tripes. C'est ça. Je suis ultra loyal. Prochaine fois, PCD, même pas les tripes qui est sur la route contrôle l'âme, ça fait ça. Charme, le petit charme. Tu me connais. Mais espère qu'il peut visiter la ville, vraiment que c'est un grand monde ouvert qu'il peut visiter partout. Et la bandication en route. T'es quand I'm jacking. Merde. Regarde ça, mais il y a du spectacle. Bah, d'épée. Ça ressemble pas à une descente ordinaire. Parce que c'est pas des trucs ordinaires. Ça, c'est la Max Stack. À côté de l'ONCPD, c'est des comiques. Donc la Max Stack, c'est les flics plus plus. Quand ça chie vraiment. Des pommards comme ça. C'est genre les points spéciales, quoi. Ça c'est bon, pour dire nous que de faire contre Banal bientôt. Le spectacle est fini. Plus tard dans le jeu. Ces pauvres gars avaient aucune chance. Mais regarde des barres comme on bosse en plus, hein. Ah, une circule après le prochain. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas un GTA, c'est sûr tout ça. Que le son est bon, les gars, mais ça va. Je connais pas si la manière de récupérer les musiques de Cyberpunk, mais une bonne son, les gars. Bah alors, il y a peu de chances que tu puisses rentrer à Heywood. T'inquiète, mais ils vont me laisser passer. Regarde, il est déjà 8h, quand même. Attendez, bien sûr. 10 minutes, et après, je suis obligé d'arrêter. Je vais encore faire le Jackie sympa. Non, vous auriez tout à PSU du jeu. Le jeu qui pèse très lourd. Le son là en japonais. Ou c'est coréen, on dirait coréen, non? Check tout dans le long. Ah, il est ouais. Et même s'il y a des bugs qui viennent le jeu, il voit le potentiel sur qui si la même part que ce soit lui. La dit qu'il y avait un multi dans le jeu, mais sûr. Il a l'impression que c'est qu'un solo, moi. Rentrez à la maison. Rentrez à la maison. Allez. Rentrez à la maison. On crée des nanites dont l'injection dans la moelle épinière. Et puis l'ascenseur. Le coût de cette thérapie révolutionnaire. La télé de l'ascenseur. A été estimé à 700 000 euros dollars par mois. Pour la deuxième semaine consécutive, le bracelet situé dans la décharge d'Atlantic City continue de faire. C'est le bouton fermé.
Le dépotoir de 40 km² est un des plus grands du monde et contient à la fois des déchets toxiques et biologiques. 7 pompiers combattant les flammes ont déjà perdu la vie et 40 autres ont subi de graves brûlures ou été exposés à des toxines. L'Académie suédoise a annoncé que son prix de littérature revient cette année à Virginia Grandchester, qualifiant son dernier ouvrage à Londres. Bonsoir, Night City. Mon premier invité ce soir est non, pas 200 gigas, hein. Bug. Le jeu fait 100 gigas, pas 200, 100. 100 et quel pour moi. Je t'envoie ces infos. Loué soit le Seigneur Tout-Puissant. Ouh, le prêtre. Et notre deuxième invité est Karina Lee, la présentatrice de la célèbre émission. Il ramène un peu la télé, on dirait. L'utilisation d'un plan cybernétique. Comment ça va la vie, ma jolie? Mon cas, j'ai pas à me plaindre, Ziggy. Merci de l'invitation. Aujourd'hui, j'aimerais que nous parlions de l'implant. Bon, on dirait méga Delta Télé, mais. Je suis exploré, Zabu. Quoi? Quoi? Mais je suis un peu coqué. Tout le plaisir est pour moi. Ah, fumé, t'as vu mon fumier, copain. Alors, ces machines-là, mais arrête à voir ça depuis tout à l'heure, mais demande à moi s'il peut, il peut utiliser. C'est quoi ça? C'est la bouffe? Mais ça y est. Tarte au raisin. Et du coup, elle fait quoi? Elle prend moi l'argent? Mon argent, c'est quoi dessus? Mais madame, il faut s'habiller. Il faut s'habiller un peu plus, madame. Hein. J'ai déjà payé 2 fois pour le faire réparer. Ça doit être un genre d'arnaque. Quoi? Vous aidez, madame? Je vais lui dire 2 mots, concierge, moi. Mais elle a bien été occupée, madame, mais il fait quoi, froid. Ton problème? Froid dans la rue, hein. Bon, c'est sur mon cas. Attends, on va aller mieux se garder ici, il y en a d'autres, ça, ok. C'est un bidon en ville, ça, non? Donc, il veut dire que selon le PS, la voie que m'a choisi, comme chose, par exemple, prendre les corpos, ou habite pas d'être comme Mao, ou doit habiter d'être luxueux. Parce que moi, j'habite dans un ghetto, moi, là. Un ghetto, mais frère, c'est un 50 mètres carrés, non? 30 mètres carrés, 50. Là, l'espace, quand même, hein. Ouais, ghetto. Le miroir, elle est connectée. Oh là là. Oh, le petit chat. Se regarder dans la glace. Ah, ok. Mais pourquoi il est tout nu? Il est tout nu. Fait un peu pervers, là. Fait un peu pervers. Ça fait très pervers. Ça fait très, très pervers. Comment il quitte? Mais comme il est tout nu, pourquoi pas? Ma quoi, un chemin? Vas-y, ma linge. Comment on m'a tout nu dans le. Je prends une douche. Vous allez faire votre cache là. Ou peut-être dès que ma ronde à la salle de bain, ma mettre à ma tout nu automatiquement. Ça, c'est mon. Eh ben, parce que. On peut dormir. C'est quoi? Quoi, son cas, le gagnant distributeur boisson 5$. TV, c'est quoi TV? Ok, c'est son téléphone. Le V, c'est quoi? Dis-toi. Voilà, donc il n'est pas encore débloqué. On voit la cache d'armes. Ouais, c'est un tir par mon ghetto, mais. Putain, mais la radio est stylée. Besoin de tirer votre câble. Ouais, ouais, tu es. C'est quoi ça? Nouvelle sortie de dons sensorielles. T'as trouvé! Pas tard que je suis mal parce que PS10. Bon, voilà, cache d'armes. C'est pas le petit là, n'empêche. Demande-moi aussi si tu connais combien de temps Cyberpunk la prend au développement. Sachant qu'un jeu comme God of War la prend 8 ans. Cyberpunk la prend combien de temps? Si tu connais, c'est pas diamant. Je suis curieux. La cache d'armes. C'est ça?
Ah, c'est les flingues qu'elle m'a récupérées. Ça se m'enlève. 3 points d'armure. Ah, ok, on peut stuff à moi aussi alors. C'est pas mal, c'est vrai. Ah, attends, c'est quoi le flingue Milana et c'est quoi le flingue en stockage? C'est ce que l'équipé? 58. 51. 53. Ah ouais. Ça. Non, mais je veux pas mettre dedans, moi. Ouais. Il garde le pompe, ça, et il jette un pistolet. Là. Revolver cinétique. Il garde ça. Voilà. Mais... Du coup, on a d'autres menus. Ah ouais, tout ça. Ah, ça, c'est la bouffe que m'avait trappé tout à l'heure. Grenade d'affragmentation, analyse explosif, et c'est pas le sujet d'une époque révolue. C'est quoi c'était qui nous vient dessus le. Bon, il y a un peu de mal encore bien inventé, mais ça va venir après. Ça va venir après. Allez se coucher. 8 ans, après 8 ans pour développer le jeu là? C'est comme Division 2. Chaque arme a des stats différents. Ben, un peu comme Destiny aussi, non? Comment t'es là? Bon, les amis, je vais après le coucher. Je sais pas ce qui va se passer. Mais après, je vais arrêter le live ici. Il est déjà habitué à 10. Bien évidemment, on reprendra les lives Cyberpunk. On va essayer de continuer. Mais là, c'était la découverte pour voir vraiment comment le jeu il est, même s'il avait un peu de retard. Et voir un peu ce qu'elle a dans le ventre. Pour l'instant, ça va. Après, nous, on regarde ce qui se passe et après, on aura que là. On pense qu'il sauve automatiquement. Qu'est-ce qu'il a été foutu sur lui? Oh, V! T'as dormi un peu? Ah, c'est pas grave. C'est l'heure de se lever. Je crois que j'ai peut-être chopé un truc. En me connectant au biomoniteur de la corpo. Je sais Ah, pas, il est très un bon du neurovirus ou. Faut que j'aille voir Vic. Il saura me dire pourquoi j'ai le cerveau et le bide en vrac. Ok, je t'emmène. C'est ta caisse après tout. Sape-toi et retrouve-moi en bas. Déjà habillé, moi. On va s'arrêter. Salut V, c'est Regina Jones. Si tu cherches du boulot à Watson, appelle-moi. Comment tu m'as trouvé? Et comment tu connais mon nom? Je sais où choper mes infos. Je suis une sorte de collectionneuse. A plus B. Il peut vendre un peu. On même pas soleil tellement nous les. On a reçu un appel. On est ici pour vous aider. Allez, je peux faire descendre par contre. Allez, où là? Rejoins Jackie. Allez. Putain de ta mère, vas-y là! 14 par jour. Salut. T'es nouveau à Night City. C'est mieux. Je voudrais revoir ma soeur. Marsaté! Je vous appelle. Bonne journée. Tu viens que ça c'était mine d'air. Ah ok, l'allée d'un ville direct. Ah ouais, ok, ça c'est la ville ça. Ah ouais. On a un deux PNJ par contre, on est pas trop joli hein.
Oh les gars, mais pense que ça va tel. Parce que mon envie de visite partout et si mis avant, mais ça va mis à rocher. On me s'arrête à mater là, devant l'ascenseur, ici. Et voilà, on va s'arrêter ici et on reprendra je ne sais pas quand. Mais on reprendra. Ce fut un très bon, un très bel essai. Pour l'instant, on n'a pas eu trop de bugs, on n'a pas eu trop de gênes. Donc le patch Day One, pour l'instant, j'ai pas vu de soucis. Très bonne impression. Et pressé de plonger dans l'histoire et de d'explorer cet univers. Donc sur ce, passez une bonne soirée. Mettez un petit follow sur le Twitch si c'est pas encore fait. Un petit abonnement sur YouTube. Et passez une bonne soirée. Allez, on a vu ça les amis. Bye bye.